Qui es-tu? Et que veux-tu de moi? Jésus, s'il te plaît, ne me tue pas, s'il te plaît, ne me tue pas. Je t'en supplie, ne me tue pas, s'il te plaît. Ne me tue pas, ne me tue pas. La troisième fois. Je sais. C'est bon, ça va aller. Chérie, tu dois être avec tout ça, s'il te plaît. Qui dirais-je à mon mari? Oh. Soyez les bienvenus. Qu'est-ce qui est arrivé? Jane, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai trouvé comme ça depuis un moment déjà. Ne me parle pas, qui est-il? Mon bébé. Qu'est-ce qui est arrivé à ton bébé? Vas-y doucement, hein? Ok? Parle-moi maintenant, s'il te plaît. J'ai encore fait une fausse couche. C'est bon, hein? C'est bon. Ça ira, ok? S'il te plaît, vas-y doucement, tu risques de tomber malade. Bébé, comment est-ce que cela est arrivé? C'est bon. J'étais dans la cuisine en train de préparer. Et quand j'ai remarqué que je saignais, et j'ai appelé le docteur m'a dit que j'ai encore perdu mon bébé. Ça, c'est la troisième fois. Désolée, hein? Désolée. Ça ira, c'est bon, calme-toi. Hein? Ça va aller. Bébé, ça c'est va aller. Bon, hein? Ne tombe pas malade. S'il te plaît, dois l'emmener à l'intérieur. Ah, ok, s'il te plaît, allons à l'intérieur. Allons à l'intérieur. Juste lève-toi. Je suis désolée. S'il te plaît, prends mon sac et va avec dans la pièce de l'autre côté. Tu trouveras un endroit pour mettre ça. Ok. D'accord? D'accord. Viens. Vas-y doucement, ça va aller. Ça va aller. Hein. Ça va aller. Mmh.
frère Michel, pasteur Amos. Je peux voir que tu es venu me voir aujourd'hui. J'espère que tout va bien. Pasteur, j'aurais sincèrement souhaité que tout aille parfaitement bien dans ma vie. Pasteur, ma maison est en trouble. C'est d'accord. Frère Michel, tu n'as pas à être effrayé. Dieu est au contrôle. N'oublie surtout pas qu'il prend en charge absolument chaque problème. D'accord? Il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Maintenant, dis-moi, qu'y a-t-il? Pasteur, pendant plusieurs semaines maintenant, ma femme n'a pas cessé d'avoir des drôles de cauchemars dans lesquels elle voit une femme folle en train de la poursuivre, parlant tout le temps d'un bébé. Pasteur, et pas seulement ça, elle a tout le temps des fausses couches. Franchement, je ne comprends rien. Une femme folle, un bébé et des fausses couches aussi? Tout ça n'a aucun sens, pasteur. Je ne sais pas quoi faire. Avec Dieu, absolument tout est possible. Bien, prions maintenant. Cher Père, au nom de Jésus, amen. Nous te remercions pour un jour comme celui-ci. Père, nous remettons la famille du frère Michel entre tes mains. Père, je chasse tout démon maléfique, tout type de fausse couche dans son foyer. Prends le contrôle absolu de sa vie, ô Dieu. Nous remettons sa famille entre tes mains. Père Saint, viens à notre aide. Viens à notre aide. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Père, nous te remercions. Car nous savons que tu as répondu à nos prières à travers Christ notre Seigneur. Amen. Merci Jésus. Frère Michel. Oui, pasteur. Le Saint-Esprit vient juste de me révéler. Pendant que nous prions. Ce démon qui opère dans la vie humaine, ce serpent ancien, nommé Satan, qui a menti à plusieurs personnes qui étaient ignorants de la vérité. Mon cher frère, a aussi permis à une femme folle d'être furieuse. À une femme folle d'être furieuse.
t'ai dit toutes ces choses plus tôt. Je t'avais dit qu'aller là-bas ne nous aidera pas à notre problème. Hein? Mais, ma sœur, je ne comprends pas toujours comment les grands Odidi, les tradis praticiens, sont incapables de cerner le problème pour en donner une piste de solution. Je n'arrive pas aussi à comprendre. Attends, est-ce que, par hasard, tu n'as pas fait quelque chose dans le passé qui serait en train de te réclamer maintenant? Jay! Jay, quelque chose comme quoi? Je ne sais pas. Je réfléchis juste à haute voix. Ben, je suis sûre que je n'ai jamais eu aucun problème dans le passé. Oh, Dieu. Oublie d'abord ça, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on ne va pas avec moi? Culpabiliser. Nous sommes juste en train de chercher à trouver la solution. Juste comme ça, Jay? Ok. Chérie, es-tu prêt pour le travail? Exact. J'ai servi ton déjeuner. Laisse-moi prendre de l'eau. Non, bébé, calme-toi. Je suis déjà en retard pour le boulot, ok? Mais quand je reviendrai, je te promets qu'on mangera ensemble, ok? Ah, chérie, non. J'ai déjà préparé ton petit déjeuner. Ou soit tu sais me dire que tu vas plus manger ce matin avant que tu partes. Mon amour, écoute-moi. Je suis déjà très en retard, ok? À mon retour, on mangera ensemble, ok? D'accord? Je mangerai. Allez, s'il te plaît. Allez, viens là. Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi. Jésus! Bébé, c'était quoi cette fois? Qui est-il? C'est encore la même folle femme. Qu'est-ce que cette femme folle te veut au juste? Je pense que je suis celle qui veut quelque chose venir d'elle. Mon amour, que peux-tu exactement vouloir d'une femme folle? Je ne sais pas. Je suis juste confuse. C'est d'accord, ça va aller. Ce n'est qu'un cauchemar, d'accord? Ça va aller. Retourne au lit maintenant.
Qui es-tu? Je m'appelle Annabelle, maman. Annabelle? Oui, maman. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, s'il vous plaît, je veux un travail, maman. Un travail? Oui, maman. Hein? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Je peux être votre bonne maman. Je peux t'aider à faire la lessive, t'aider à faire la vaisselle et à préparer, s'il vous plaît. Tu peux être une bonne? Oui, maman. Désolée, je crois que ma soeur n'a pas besoin d'avoir une bonne. Hein? Non, je n'ai rien s'il à t'offrir. S'il vous plaît, maman. Aidez il n'y a pas de travail ici pour s'il toi. Vous plaît. S'il vous plaît, maman, vous devez m'aider. J'ai vraiment besoin de votre aide, s'il vous plaît. Tu viens d'où? Entre, entre. Merci, maman. Fais entrer tes bagages. Tu peux prendre place, j'arrive, d'accord? Ok, maman. Tu as dit que tu t'appelles Annabelle? Ok, oui, viens maman. Avec moi. Ok, allez, merci viens. Maman. Mon chéri, bonjour. Bonjour. Quoi? Pourquoi te tiens-tu là, me regardant comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je ne comprends pas. Tu étais très malade et collé au lit. Et très soudainement, tu es redevenu consciente et... Tu es en train de te maquiller d'ailleurs. Je te sens bizarrement étrange. Ah. Chérie, dis-moi la vérité. Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Parle-moi, non? Pourquoi tu me regardes comme ça? Mon amour, il n'y a rien dans ce monde que Dieu ne puisse faire. C'est juste la preuve d'un vrai miracle. Et... Au moins, on était en train de prier pour ça. Et Dieu a répondu à nos prières. Sérieux, bébé, c'est comme si rien ne s'était passé du tout. Attends. Oh, bébé, arrête. Ça, tu n'es pas content que je sois guérie? Voyons, je suis content, mais... Je suis content, c'est juste... Viens là. Ah.
Annabelle, qui exactement tu dis que tu es? Chérie. Pourquoi se met à rire comme ça? Je ne sais pas. Elle est étrange. Annabelle, je te demande pour la dernière fois. Qui exactement tu nous dis que tu es? Maman, je m'appelle Annabelle. J'ai perdu mes parents quand j'avais 2 ans. Raison pour laquelle je vécu longtemps dans la rue et je cherchais un moyen pour survivre. J'habitais sous l'arbre. Et je suis venue ici pour ne pas mourir de faim là dehors. Attends, as-tu dit que tes parents étaient morts quand tu avais 10 ans? 12. 12? 10? Qui est-ce qui t'a élevé? Ma grand-mère. Mais elle est morte 10 mois après que mes parents soient morts. J'étais restée seule dans ces rues et c'était vraiment des moments terribles de ma vie. Je vivais dans la rue et je me nourrissais dans des poubelles, ainsi que le reste des gens. Et c'était des jours vraiment difficiles. Raison pour laquelle je suis venue chercher un travail. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, Annabelle. Hein? Arrête de pleurer, ok? Tu es la bienvenue dans ma maison. Merci, maman. Dès aujourd'hui, tu n'es plus une bonne. Sans toi, les ok? Merci, maman. Ah, ne t'inquiète pas, juste va continuer ton travail. Ok, maman. Ça fait vraiment pitié. Ah, chérie. Bébé? Oui, bébé. Que peux-tu m'offrir? Oh, je t'offrirai bien plus que tout ce que tu ne peux imaginer. Mais je pense déjà à quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre? Exact. As-tu besoin de savoir? Oui, dis-moi. Bébé, tu sais que je t'aime beaucoup. Oui, et je t'aime aussi. Alors, t'as pas sommeil? Non. Moi, en tout cas, oui. Tu ne crois pas qu'on devrait aller dormir? Ok, pas de problème. Allons-y. Ok. Ah! Oh! Annabelle? Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? Rien du tout, maman. Et tu dis rien du tout? Donc, tu veux transformer mon salon à ta chambre? Non, maman. Avant que je ferme mes yeux et que je les ouvre, tu quittes cet endroit avant que je me fâche. Oui, maman. Dégage d'ici! Ah, chérie. Il y a quelque chose de très étrange avec cette fille. Quelque chose de très, très étrange. Depuis que la première fois que je l'ai vue, je me disais qu'il y avait quelque chose de bizarre chez elle. Nous devons être très prudents. La laisser dans la maison, vagabonder comme ça, je suis pas d'accord avec ça. Allons-y. Thank you.
madame? Qui êtes-vous? Et pourquoi est-ce que ton bébé pleure? Hey! Apparemment, elle ne m'écoute pas. Oh. Tu veux savoir pourquoi il pleure? En quoi cela te concerne? Tiens, tu t'approches petit à petit pour le voler. Hein? Mon amour, je t'ai cherché partout et tu étais ici. Qu'est-il, chérie? Bébé, je ne comprends même pas qu'est-ce qui se passe. Je continue toujours de voir cette femme folle dans mes rêves. Et cela me fait déjà peur. Que veut-elle au juste? Que veut-elle de toi exactement? Je ne sais pas. Ah, c'est étrange. C'est très très étrange. Que penses-tu qu'on puisse faire à propos de ça? Je n'ai aucune idée. Thank you.
Bon après-midi, messieurs. Hé, hey, Annabelle, comment vas-tu? Je vais bien, messieurs. Vous êtes très beau aujourd'hui. C'est gentil. Merci. Oui. Et, où est ma femme? Elle est à l'intérieur. Peut-être qu'elle dorme. Ok. Messieurs, puis-je t'aider avec ton sac? Non, ne te dérange pas, ok? Continue avec ce que tu fais, d'accord? Okay, ok, messieurs. Chérie? Qui est-il? Bébé, comment tu trouves les choses qui se passent dans cette maison? As-tu vraiment parlé avec cette étrangère? Que veux-tu dire? Je ne sais pas, mais elle... Chut. Mon amour, ne parlons plus de rien du tout. Ok? Parlons seulement de nous. Ok. Ok. Qui est là? C'est Annabelle, madame. Annabelle, comment puis-je t'aider? Viens à l'intérieur. J'ai dit viens à l'intérieur. Grande sœur. Jay. Qu'est-ce qui a me regardé comme ça? Jay. Es-tu la personne qui frappe à la porte? Oui, je l'ai entendu. Pourquoi tu appelles Annabelle?
Parce que j'ai entendu sa voix. Tu as entendu quelqu'un toquer? Oui. Ok. Bien. Et comment par rapport à notre discussion? Qu'est-ce que tu en dis? Jay, es-tu sûre que ça marchera? Oui, bien sûr. Au fait, ce mec ne te dira pas seulement ton problème, mais il va aussi te donner la solution à ses problèmes. Je connais cet homme, le grand Ogidi. C'est vrai. Relax. Relax. Je ne sais pas ce que nous attendons. Partons directement. Donc, ça veut dire que tu es d'accord? Bien okay. sûr. Bien. Ah, grande sœur, dépêche-toi. Oui, je suis là, j'arrive. Tard, non? Ah, ah, Jay, tu ne peux pas patienter? S'il te plaît. Ah, es-tu vraiment sûre de cet endroit? Annabelle, c'est quoi le problème avec toi? Tu aimes toujours me faire tomber. Et pourquoi tu bloques mon chemin? Tu ne peux pas aller voir ces fétichères parce qu'il n'a pas la solution à ton problème. Annabelle? Comment as-tu su que je peux avoir les fétichères? Et qui es-tu? Tu ne peux pas aller là-bas. Il n'a pas la solution à ton problème. Jay. Hey, rentre-toi. Salut chérie. Salut bébé. Tu m'as laissé à l'intérieur alors je t'ai suivi dehors. Je l'avais commencé longtemps. C'est vraiment beaucoup. C'est maintenant que tu te rends compte? Vraiment? Tiens, prends ça. Merci. C'est bien. As-tu regardé le film? Trop intéressant, chérie. Vraiment intéressant, je te dis. Tu sais, ce petit garçon, on pensait que c'était qu'un simple personnage. Oui. Ce gars était l'acteur principal du film. C'était vraiment fantastique. Es-tu sérieux? Il était vraiment très stylé et très bon acteur. Qui êtes-vous, les filles? Nous sommes des sœurs d'Annabelle. Le sœur d'Annabelle? Le sœur d'Annabelle? D'où sortez-vous? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous êtes ici? Tu nous as laissé Annabelle. Comment as-tu osé? Vous devrez rentrer. Je ne viendrai pas avec vous. Jamais. Cela n'arrivera jamais ainsi. Un instant. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer exactement ce qui se passe ici? Depuis tout ce temps, vous viviez avec un fantôme. Jésus, un fantôme? Elle est un fantôme. Un fantôme. Je savais qu'il y avait quelque chose d'étrange à propos de cette fille. Au moment où elle est arrivée dans cette maison. Il semble que vous avez déjà oublié que vous ne pouvez tuer ce qui est déjà mort. Je sais que vous me détestiez. C'est parce que vous ne savez pas à qui je suis exactement. Je suis ici pour une mission. Peu importe ce que tu cherches, cela ne donnera pas une solution à ton problème. La cause de tes fausses couches, c'est la femme folle que tu vois dans tes rêves.
Alors. Hey. Non, 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 bébé, bébé, s'il te plaît, bébé, lève-toi, s'il te plaît, lève-toi. Bébé, reste avec moi, hein. Jane! Jane! Oh non! Non! Mon Dieu, mon Dieu! Jane! Jane! Oh mon Dieu! Reste avec moi, bébé, reste! Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. T'en es sûr? Oui. Ok. Veux-tu que j'arrête de regarder la télé ou bien autre chose? Pas vraiment. Ok. Alors, dis-moi. Que veux-tu que je prépare pour toi? Mon préféré, je crois que je prendrais ça. Vraiment? Ouais, j'en ai vraiment eu besoin. Alors, patiente. Bébé, qui est-il? Quoi? Qui est-il? Grace! Non! Jane! Jane! Bébé, doucement, doucement, doucement. Mon Dieu. Jane! Cette femme doit mourir. Ça, c'est impossible. Et pas quand je suis ici. Tu ne peux pas nous stopper, Annabelle. Alors, voyez-moi aller la guérir. J'avais vraiment très peur. Mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Je ne comprends vraiment rien. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Elle fait une très forte fièvre. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Que faisons-nous? Désolée, bébé. Ça va aller. S'il te plaît. Vous n'avez pas à avoir peur de moi. Vous tous avez un cœur d'amour. Vous m'avez accepté ici sans même me connaître. Vous êtes gentil et je suis venu en paix. Je t'en prie. Nous ne voulons aucun trouble. Juste va-t'en et laisse-nous tranquilles, s'il te plaît. Mon amour. Ses yeux sont ouverts. Je connais la cause de votre problème. Et je connais comment ça a commencé. Cela a commencé quelques années passées. Quand... Izigini. 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 Ça va? Bébé. Bébé, ça va, bébé. Ça va, mon bébé. Bébé. Thank you.
Remercie l'Éternel. Toi, une femme folle qui est en train de rigoler partout. J'aurais souhaité que tu meurs avec ton bébé inutile. Tu as tué mon enfant. Tu as tué mon enfant. Je te maudis en ce jour. Tes enfants seront stériles. Tous les jours de sa vie, tes enfants seront engloutis par la terre. Peu importe où tu iras pour chercher la solution à ces problèmes, ça ne marchera pas pour toi. Tu as perdu la tête. Une femme stupide, s'il te plaît, dégageons d'ici. Tu as tué mon enfant. Tu as tué mon enfant. Tu en paieras le pot cassé. Voilà ce qui s'était passé. Comment ma mère a décidé de me faire une telle chose? Comment est-elle pu être si méchante? Donc, depuis tout ce temps, elle est la cause de mon incapacité d'avoir mon propre enfant. Comment? Comment elle peut faire ça, cette folle femme? Ah. Cher Père, au nom de Jésus, amen. Nous te remercions pour un jour comme celui-ci. Père, nous remettons la famille du frère Michel entre tes mains. Père, je chasse tout démon maléfique, tout type de fausse couche dans son foyer. Prends le contrôle absolu de sa vie, ô Dieu. Nous remettons sa famille entre tes mains. Père Saint, viens à notre aide. Viens à notre aide. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Père, nous te remercions, car nous savons que tu as répondu à nos prières à travers Christ notre Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Frère Michel. Oui, pasteur. Le Saint-Esprit vient juste de me révéler, pendant que nous prions, ce démon qui opère dans la vie humaine, ce serpent ancien nommé Satan, qui a menti à plusieurs personnes qui étaient ignorants de la vérité. Mon cher frère a aussi permis à une femme folle d'être furieuse. À une femme folle d'être furieuse. Oh, c'est ce que le pasteur Amos voulait dire par qu'il y avait une certaine femme folle qui était furieuse. Oui, pasteur Amos est vraiment l'homme de Dieu. Il priait toujours pour ma maman et moi quand on était encore en vie. Cette folle femme est vraiment en colère. Elle est en train de la suivre partout. Vous devez faire quelque chose pour pouvoir briser le sort. Maintenant, comment est-ce qu'on peut briser ce sort? Est-ce qu'il y a un moyen d'arrêter ça? Parce qu'elle est déjà passée par tant de choses. Elle doit être libérée. S'il vous plaît. J'espère que vous pouvez m'écouter de partout où vous êtes. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Pardonne ma maman. S'il vous plaît. C'est bon, tu as assez pleuré. Maintenant, prenez cet œuf. Il faut prendre avec ta main gauche. Tu dois casser cet œuf et le renverser ici pour l'invoquer. Jette-le maintenant. Bienvenue. S'il vous plaît, tu devras le pardonner. Tu as vu leur douleur. Tu as vu qu'ils ont assez subi.
Et tu vois aussi la sincérité de leur cœur. S'il vous plaît, vous devez briser ces malédictions. Pardonnez-les et le libérer de cette malédiction. S'il vous plaît. S'il vous plaît, pardonnez-moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu es un esprit comme je suis. Et tu es aussi une maman. Tu connais la douleur de perdre un enfant. S'il vous plaît, pardonnez-les. Je brise cette malédiction. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je te pardonne. Je pardonne. Prends ton bébé. Sois béni parce que les portes sont ouvertes. L'enfant qu'elle vient de te remettre maintenant signifie que très bientôt, tu seras enceinte et puis tu attendras les cris d'un bébé dans ta maison. Et cela sera une leçon pour vous tous. Il faut savoir comment respecter et traiter les gens, spécialement les étrangers. Traite-les avec amour et gentillesse. Respect everybody. Je dois maintenant aller. Mon heure est venue et ma mission est accomplie. Respect it more. Respect everybody, special people you don't know. Respect the rich. Respect the poor. Respect the homeless. Respect the childless. Respect an orphan. Respect the elderly. Respect the wheelbarrow pusher. Respect the beggar. Respect the madman. Beggar. Annabelle! Annabelle! Respect the madman. Respect the childless. Respect an orphan. Respect the elderly. Respect the wheelbarrow pusher. Respect the beggar. Respect the madman. Respect the madman. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram @aforevo_dobbing, sur notre site web www.aforevo_dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Respect everybody, special people you don't know. Respect the rich. Respect the poor. Respect everybody, special people you don't know. Respect the rich. Respect the poor. Respect the homeless. Respect the childless. Respect an orphan. Respect the elderly. Respect the wheelbarrow pusher. Respect the beggar. Respect the madman. Respect the madwoman. Respect everybody, especially people you don't know.